Panda. I got broads in Atlanta. Just took a lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the van. Legacy. Salut les amis, c'est France et on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je commence la vidéo en facecam mais vous ne voyez pas vraiment ma tête. J'ai mis des lunettes et une casquette. Si vous voulez une facecam, mettez beaucoup de pouces bleus. Et du coup, cette vidéo va parler des top 10 des dessins de mon grand-père car il dessine super bien. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour le dessin numéro 10, il a dessiné un ours en peluche avec une montre et tout. Il est super stylé. Et on passe au suivant. Dessin numéro 9. Hop. Encore un ours. On peut voir qu'il ressemble un petit peu à l'autre quand même. Mais en plus petit. Et on passe au suivant. Le dessin suivant est un petit lapin. Encore en peluche. Mais vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des peluches. Encore une peluche lapin. Mais bon, voilà. Elle est quand même bien dessinée. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans stop. Et on passe au dessin suivant. Là, on commence à rentrer dans des dessins pas mal. Je dis pas que les autres étaient moches, mais ils étaient moins bien dessinés. Et regardez-moi ça. Celui-là, il est pas mal fait quand même. Encore un lapin. Et on passe au dessin suivant. Hop. Là, on peut aussi voir qu'il a bien fait des jeux avec l'ombre. On peut voir que c'est un romain ou un viking. Ouais, c'est un romain. Et voilà. Franchement, il dessine super bien. Donc voilà. Le numéro 3, c'est Pikachu costumé en Thor. Celui-là, il est super stylé. En plus, j'adore Thor, j'aime bien les Pokémon, comme vous le savez. Donc voilà, il est super classe. Et on passe au dessin numéro 2. Attention, ça va être du lourd. Le dessin numéro 2, c'est tout simplement Spider-Man sur une grosse moto. Et je l'ai colorié, bien sûr. Regardez-moi ça. C'est super bien dessiné. Dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une vidéo avec mon grand-père pour faire des dessins sur une vidéo avec lui. Par exemple, moi vs lui en dessin. Je pense qu'il va gagner directement. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse ce concept. Mais bien sûr, on ne verra pas nos têtes. Allez, et le dessin numéro 1, c'est parti. Voilà le dessin numéro 1. Je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il est dessiné avec un petit crayon. Hop. Voilà, c'est tout simplement Captain America. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il dessine super bien. Donc moi je pense qu'on va refaire des vidéos avec lui pour faire des petits dessins. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like comme d'habitude. Dites-moi si vous voulez que je fasse des facecam. Et on se dit à la prochaine. Allez, lâchez les pouces bleus. Ciao, bye bye.